Chers amis, une question qui revient très souvent. Lorsque mon plan de travail s'est sali et j'aimerais le jour de Shabbat le nettoyer, ai-je le droit de verser un petit peu d'eau sur le plan de travail, prendre une raclette et racler l'eau, retirer l'eau avec pourquoi pas même un peu de savon, et de cette façon-là, je nettoie le plan de travail qui est fait en marbre, qui est fait en bois, qui est fait en tout type de matière. Ai-je le droit ou pas? Alors, premier aspect de la question, est-ce qu'il y a un interdit de nettoyer lorsqu'il ne s'agit pas d'un tissu, lorsqu'il ne s'agit pas de cuir, lorsqu'il s'agit de pierre, lorsqu'il s'agit de lunettes par exemple, de verre, lorsqu'il s'agit de matière comme cela? Réponse, non, là il n'y a aucun problème de liboun. Donc le problème de liboun ne se pose pas. Alors quel est le problème qui va se poser? C'est le problème qui est a priori le problème du balai. On avait dit à l'époque, et je vous invite à vous référer à ces cours-là, que passer le balai Shabbat, c'est tout un problème dans la halakha. Finalement, on avait autorisé au jour d'aujourd'hui, aussi bien pour les Sfarad que pour les Ashkenaz. Qu'a été le problème en un mot? Le problème, c'est qu'avant, les sols étaient faits à base de terre. Et donc souvent, il pouvait y arriver qu'il y ait des trous. Et au moment où je passe le balai, je peux aplanir les trous. Aplanir des trous le jour de Shabbat, surtout si mon intention c'est d'aplanir, c'est de construire un petit peu, de terminer la construction du sol pour qu'il soit maintenant plat, et ben c'est un problème de bonnet, etc., etc. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on autorise? On avait dit aujourd'hui on autorise parce qu'aujourd'hui, eh ben, on a du carrelage sur le sol, on a du plancher, etc., etc. Donc il n'y a plus cette crainte-là. On avait posé la question, est-ce que alors ça veut dire qu'on a le droit de verser de l'eau sur le sol et de passer à serpillière sans serpillière, avec un balai, de passer avec un balai l'eau et avec du savon, etc., sur le sol? Ce qu'on avait dit, on n'autorise pas. Mais pourquoi? Pourtant aujourd'hui, il n'y a pas de problème, aujourd'hui on a du carrelage. On avait dit oui, mais malgré tout, comme le problème à l'époque se posait, aujourd'hui tout ce qu'on a autorisé en vertu du principe qu'on a du carrelage, c'est juste les choses qui sont urgentes. Par exemple, le balai, c'est urgent. Mais par contre, avec de l'eau, c'est déjà moins urgent. Donc ça, on n'a pas autorisé. Et on avait expliqué dans les cours qu'il y a des cas dans lesquels c'est vraiment urgent de passer avec de l'eau, quand vraiment c'est sale, 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 etc., dans lesquels on peut être beaucoup plus permissif. Je me pose une question. Sur le plan de travail, est-ce qu'on va dire que c'est comme le sol? Et donc, je pourrais à la rigueur passer le balai dessus, mais sans eau, avec de l'eau, ça serait interdit. Avec du savon, ça serait interdit. Ou est-ce qu'on va dire que c'est autorisé? Réponse de la halakha, c'est autorisé. Je parle bien évidemment avec une raclette qui ne s'imprègne pas d'eau, parce que sinon il peut y avoir un problème d'essorage. Pourquoi c'est autorisé? Eh bien la réponse elle est très simple. Quand est-ce que Chachamim m'ont interdit de passer le balai? À l'époque où les sols étaient faits à partir de terre. Donc toute la xéra de Chachamim, elle concernait le sol qui était fait à partir de terre. Les sols à l'époque, ils étaient faits à partir de terre. Or on disait, puisque c'est fait à partir de terre, même si toi tu as un sol qui est avec du carrelage, ouais mais va savoir, les gens ils risquent d'en venir à, etc., 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 etc. Ça c'est vrai à propos du sol. Mais les plans de travail, ça n'a jamais été en terre, les plans de travail, pour que Chachamim vienne et interdise de nettoyer un plan de travail qui est fait en terre. Donc toute l'interdiction de Chachamim, elle n'a jamais concerné les plans de travail, puisqu'ils ont toujours été ou en marbre, ou en bois, ou en pierre, ou en tout ce que vous voulez, mais certainement pas en terre. Donc, la xéra n'a jamais eu lieu ici. Donc il n'y a aucun problème Shabbat de verser un peu d'eau sur le plan de travail, et même un peu d'eau savonneuse, après de prendre une raclette ou de prendre quelque chose dans lequel il n'y aura pas de problème d'essorage, et de bien nettoyer le plan de travail. Koltou mes chers amis, à bientôt.